Bien, salut à tous, c'est Aswin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer comment rendre n'importe quel téléphone waterproof. Et dernière chose, on va parler de la conférence de Google. Vous n'y allez pas y échapper. Première étape, acheter ceci. Ceci c'est quoi? Ceci c'est une pochette waterproof, évidemment, de chez Decathlon pour rendre n'importe quel téléphone waterproof. C'est voilà, c'est la manière la plus facile pour rendre votre téléphone waterproof. Donc pour la première étape, on va aller remplir ceci. On va aller remplir ceci d'eau. Donc let's go. Wait, wait, wait for me. Oui. Pas assez lourd. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Une fois que cette magnifique bassine d'eau est remplie, on ouvre du coup la pochette, hop, comme ça, bêtement. C'est un peu le même principe que les sacs de bateau, hein, donc du silicone. Voilà. Je fous mon téléphone, ici c'est un 7 Edge. Un petit peu compliqué à rentrer dedans, mais enfin, c'est dedans, hein. Ça c'est sûr. Ensuite, bah, je referme, alors il y a un petit clip au-dessus, utile ou pas utile, on s'en fout. Du coup, la pochette est aussi tactile, donc je sais, évidemment pas, l'empreinte digitale ne fonctionne pas. Donc là on a l'horloge, enfin l'horloge Topwatch. Donc du coup on va la lancer et puis on va commencer à parler un petit peu de Google. Hop, donc c'est lancé, voilà. Bon du coup je prends mon petit iPad Pro, hop, parce qu'il y a trop de trucs, hein. Google, ils ont annoncé trop de trucs. Premier truc qu'ils ont annoncé, c'est un nouveau Google Nest Hub Max. Donc en gros le Nest Hub c'est quoi? C'est un Google Home avec un écran sur lequel vous pouvez un petit peu interagir, jouer à des jeux, etc. Qui vous affiche, qui peut aussi vous afficher des vidéos par ailleurs, voilà, celle-ci par exemple, que vous pourriez afficher sur votre Google Nest Hub Max. Ensuite, ça va intéresser surtout tous les gamers qui ont une bonne connexion, hein, faut pas rire. C'est Google Stadia. Alors Google Stadia, bah, c'est pas très très compliqué. En gros, c'est du cloud gaming, donc comme Shadow PC pourrait le faire. En gros, Google vous donne une console à distance, et cette console va vous permettre de jouer à n'importe quel jeu. Je sais pas si c'est des jeux, j'imagine que ça va être des jeux de Google, je ne sais pas vraiment encore ce qui va être disponible puisqu'elle n'est pas encore sortie. Et donc vous allez aussi devoir acheter la manette. Du coup je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner, on va découvrir tout ça peut-être un jour si ça arrive sur cette chaîne, qui sait. Ah oui, donc, du coup on va pouvoir la jouer sur n'importe quelle plateforme de Google ou Android. Ça c'est donc assez chouette, donc sur les TV qui ont une Chromecast, sur les Pixels, les PC, etc. Donc c'est un bon point je trouve. Donc il suffit de la manette et d'un écran en fait. Alors le prix c'est pour 129€ et elle sortira le 19 novembre, voilà voilà. Ensuite, c'est les Google Earbuds. Il y a eu une grosse amélioration. Ils ont plus l'espèce de cordon dégueulasse qu'il y avait dans les précédents. Par contre, ils sont toujours intra. Alors moi, vous savez, les intras, j'ai pas un kiff. En fait, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux Bose, mais en moins gros, ce qui n'est pas un mauvais point. Niveau design, ils sont assez jolis, avec une petite boîte qui ressemble assez à celle des AirPods, donc j'imagine que c'est pas une trop grosse boîte. En tout cas, ça me semble sympa. Évidemment, on a la fonctionnalité de la formule magique de Google que je ne vais pas prononcer, sinon votre écran va répondre. Intégré évidemment dans les écouteurs du coup. Et ils ont dit que le Bluetooth pouvait être de très très longue distance, donc à travers 3 murs ou une distance d'un terrain de football prometteur, hein, donc c'est chouette. Par contre, ils permettent aussi, malgré que ce soit des intra-auriculaires, de laisser passer le son ambiant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en soi c'est pas mal parce que niveau sécurité dans la rue, quand vous marchez comme ça dans la rue, ouais, c'est une bonne idée. Et ils sortiront aussi pour 179€ en 2020. Ils ont beaucoup insisté cette fois-ci sur la privacy, donc tout ce qui est la sécurité de vos données, etc. Voilà, ils vous proposent surtout cette année de vraiment choisir ce que Google a le droit d'avoir, ce que Google n'a pas le droit d'avoir. C'est vraiment cette année, ils ont beaucoup insisté là-dessus, ils ont vraiment voulu dire, les gars, nous on collecte vos données, on en fait ce qu'on veut avec, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez qu'on collecte, hein, un petit peu, ouais, c'est jamais, c'est bien. Alors, bah, du coup, Google Assistant et tous les partenaires ont désormais besoin de votre permission au niveau de la privacy pour pouvoir accéder à vos données. C'est un bon point, donc ils ont demandé par exemple, bah, j'imagine Philips Hue, le service que vous pouvez utiliser sur la Chromecast, etc., d'avoir vraiment chaque fois besoin de votre accord, ce qui est une bonne chose. Et du coup aussi, ce qui est intéressant, par exemple, entre la compatibilité entre un Nest Hub Max et par exemple, une Chromecast, ça va être en fait que du coup, on va pouvoir envoyer l'image d'une Nest Hub Max vers directement la Chromecast sur la TV, sans avoir faire, juste en demandant à Google en fait. Voilà, ils créent vraiment leur écosystème et je pense que c'est une bonne chose. Ça fait du bien d'avoir un
en soi une espèce d'autre écosystème vraiment en concurrence avec celui d'Apple, qui se crée en même temps en parallèle avec Windows, je pense. Ensuite, ils ont aussi beaucoup insisté cette année sur les points de l'écologie. Google a annoncé beaucoup de plastiques recyclables qui sont utilisés dans leurs produits, des bouteilles de plastique qui sont utilisées pour faire les différents tissus, par exemple des Google Home, etc. Donc je trouve que c'est un assez bon point. Ensuite, nouveau truc, produit que Google a annoncé, c'est le Pixel Book Go. Eh, le nom est long, hein, les gars, j'ai Google Pixel Book Go, bon bref. En gros, c'est un Pixel Book plus fin, plus transportable, donc toujours Chrome OS. Ils ont voulu le faire vraiment simple et efficace. La batterie devrait donc durer 12 heures et il est fait en magnésium, donc assez léger, mais en même temps assez robuste. Et il y a deux couleurs, du coup le noir et le rose. Bref, ça a l'air d'être un vraiment un bon PC. Le seul truc, c'est Chrome OS, franchement. Je suis pas encore partisan nécessairement de Chrome OS. J'ai pas nécessairement pu le tester en profondeur, mais je suis... Donc voilà, tout ça, c'est des bons points, je trouve. Alors du coup, il y a le Nest Mini qui vient donc remplacer le Google Home Mini. Pas beaucoup de nouveautés pour celui-ci, quoi qu'il en soit. Ce qui est bien dedans, c'est que du coup, maintenant, désormais, il y a une accroche murale. Donc ils ont mis un meilleur son dedans. Ils ont rajouté un troisième microphone sur le Nest Mini pour capter plus facilement votre voix dans le bruit ambiant. Ce qui est un point super intéressant par contre par rapport aux autres précédents. En fait, c'est que désormais, les données, la recherche et les trucs que va pouvoir faire votre Google Nest Mini ne vont plus être en fait basés sur un cloud quelque part chez Google. Donc il va plus devoir directement aller chercher ses informations sur le cloud, mais tout va pouvoir passer directement dans le Nest Mini. Donc tout se passe en local, du coup l'information est traitée beaucoup 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 plus rapidement, ce qui est un point super positif, tant que Google sait répondre à ce qu'on lui demande, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est même pas souvent le cas. Personnellement, c'est le problème que j'ai avec les Google Home. En tout cas, on verra peut-être ce que donnent les Google Nest au niveau amélioration. Son prix est actuellement en tout cas de 59€ ici en Belgique. Alors, au niveau des caméras Nest, ils ont revu le prix un petit peu à la baisse. C'est-à-dire qu'avant, vous deviez payer un abonnement pour chaque caméra pour accéder au cloud, entre guillemets, des données qu'enregistre la caméra. Désormais, c'est un abonnement pour toutes les caméras Nest que vous achetez. Et au niveau des prix, du coup, ça donne 6€ par mois pour tous les appareils, toutes les caméras du coup, 30 jours d'historique vidéo, des événements. Donc uniquement, quand quelqu'un vient sonner, votre caméra se déclenche, là uniquement vous aurez 30 jours d'historique vidéo. Sinon, vous pouvez payer 12€, donc le double par mois, pour avoir du coup toujours tous les appareils pour le même prix, 60 jours d'historique vidéo, donc le double, 60 jours d'historique des événements. Et 10 jours, 24 heures sur 24, constant. Donc voilà, c'est une bonne fonctionnalité. Tout ça sera disponible uniquement à partir de 2020 également. Pour tout ce qui est les appareils Nest et l'application Google Home, les informations sont directement sur smartphone. Les alarmes incendie aussi seront directement connectées aussi aux urgences grâce à Nest Aware. Ensuite. Nest Wi-Fi. Voilà, parlons du Nest Wi-Fi. Avant, nous avions les Google Wi-Fi, un Google Wi-Fi sur votre routeur et un autre Google ailleurs. Et ils allaient faire un pont entre les deux. Et donc du coup, vous allez avoir une plus grande couverture de votre maison en Wi-Fi. Désormais, donc ça passe sous le nom de Nest Wi-Fi. Le setup est assez simple. Ce qui est aussi inclus dans l'application de Google Home par rapport pour gérer le Wi-Fi, c'est tout ce qui est donc partage de mot de passe, qui va être du coup beaucoup plus simple apparemment, faire des speed tests, priorité des appareils, contrôle du wifi de la famille, donc c'est-à-dire on peut donner un timing pour vos enfants, le wifi des invités, donc les horaires wifi dont je viens de vous parler. Et aussi grosse nouveauté, dans ce Nest Wifi, il y aura aussi donc des Nest Mini intégrés, comme ça vous ne devrez pas acheter deux appareils séparément. Le Nest Wifi va vous coûter 269$ pour deux et 349$ pour trois, et donc ce sera disponible à partir du 4 novembre et sera disponible uniquement dans 8 pays, dont les USA évidemment. Et puis surtout la nouveauté que vous attendez tous, hein, le Pixel 4, nouveau design, nouvelle couleur, oh so orange, une nouvelle caméra en soi, un radar donc qui permet du coup un face unlock plus rapide, contrôle du téléphone avec des mouvements, le Google Assistant du Pixel 4 le Google Assistant sur tous les téléphones qui vont avoir Android 10 est complètement renouvelé au niveau design. Et sur le Pixel 4, je ne sais pas si ce sera le cas pour les autres téléphones sous Android 10, mais en tout cas pour le Pixel 4, le Google Assistant va être directement dans le téléphone, donc plus besoin de Wi-Fi ou de data pour pouvoir l'utiliser, beaucoup plus rapide, peut-être plus de fonctionnalités, ça j'espère toujours, et surtout qu'il réponde à ce que je lui demande. Hein, Google. Et donc aussi, ils ont présenté une nouvelle fonctionnalité, c'est un enregistreur audio qui vient donc avec le Pixel 4, je ne sais pas si de nouveau, s'il sera disponible pour Android 10 en général, mais en tout cas avec le Pixel 4, donc vachement pratique quoi. Je reviens. Donc t'as une minute pour te présenter, vas-y, c'est parti.
Salut tout le monde, c'est Kim, alias The Kid, je fais de la musique. Voilà, je fais de la musique quoi. Venez vous abonner à ma page, parce que c'est trop bien, si vous êtes fan de DM, et ben, c'est la page à suivre. C'est au bisou quoi. Du coup, nouveauté aussi, c'est l'écran 90 Hz, bah, évidemment Android Plus, et il rajoute aussi le Google One, donc c'est 3 mois offerts gratuits de premium, du cloud storage, beaucoup de gigas là-dedans, et voilà, 3 couleurs du coup pour ce Google Pixel 4, le noir, le blanc classique, et le Oh So Orange, qui est une couleur édition limitée, 2 tailles de trucs, le Pixel et le Pixel XL et 2 caméras. Donc il y a un contrôle, j'ai enfin arrivé, double de l'exposition, un nouveau système de balance des plans, une amélioration du mode portrait et grand angle de celui-ci, mais aussi du coup le mode portrait en vidéo, un mode nuit amélioré, un grand angle, un zoom x2 comme je l'ai déjà dit, plus en fait on peut arriver jusqu'à x10 virtuellement. Il sort du coup le 24 octobre et il sera disponible à partir de 799 € pour les pays dans lesquels ce sera disponible, c'est-à-dire les US, j'imagine la France, mais pas la Belgique évidemment. Hein. Et donc tout ce que j'ai raconté c'est dans la vidéo, j'ai beaucoup parlé en fait de tout ce qui sera disponible sur le marché américain. Mais pour la Belgique, il n'y a donc pas beaucoup de choses qui seront disponibles, uniquement le Nest Mini, donc l'espèce de Google Home amélioré, le Nest Hub, donc le Google Home amélioré avec un écran, la Chromecast qui est toujours disponible depuis un certain temps pour brancher sur sa TV, le Nest Thermostat, le bref et tout, des trucs qui étaient déjà disponibles avant. Beaucoup de nouveautés, assez intéressant et merde, j'ai oublié de relancer mon téléphone. On va tricher. Yes! Donc voilà, on a 20 minutes 53. Réellement, on a beaucoup plus parce que j'ai oublié de relancer le timer. Voilà, donc du coup, voilà, super téléphone, incroyable, super pochette plastique, super conférence de Google, super tout et voilà. Allez, ciao hein.